Bonjour à tous, ici Dingo Dorwan. Aujourd'hui, vidéo, présentation et test et connexion à l'application du PES Person Xiaomi Connecté. Donc cette balance, ce PES Person plutôt, ne fonctionne pas avec Mi Home, mais avec Mi Fit. Donc comme le bracelet connecté de chez Xiaomi, le Mi Band. Donc Mi Band 1, le 1S, le 2. Donc l'application a l'avantage donc du Mi Fit d'être totalement en français avec un très très bon orthographe. Donc vraiment l'application est excellemment traduite. Donc je vais vous quitter là. Donc vous avez vu dans le déballage, il faut 4 piles, 4 petites piles de télécommande. Donc on se retrouve sur l'application pour la connexion. Donc voilà, l'application donc Mi Fit, donc elle est facilement téléchargeable sur le Play Store. Donc moi, j'ai déjà un compte, hein, c'est le même que votre compte Mi Home. Donc n'hésitez pas à remettre votre compte Mi Home, sinon il fonctionne aussi avec Google ou Facebook. Donc pour connecter à balance, c'est très simple, vous allez dans Profil en bas. Là, vous voyez, j'ai mon Mi Band qui est connecté, hein, qui essaye de se connecter. Donc sinon ça se connecte automatiquement tout de suite. Donc on fait ajouter un appareil. Et là vous avez la montre, la balance, balance de composition corporelle ou les chaussures connectées. Donc on va sur balance, hein, le PES Person. Les données suivantes seront recueillies après avoir associé. Ok, on accepte, hein, pas le choix. Donc là ils disent monter sur la balance pour l'associer. Placer la balance sur une surface plane. Ok, ce qu'on va faire. Donc on se retrouve du côté de la balance et après on se revoit sur l'application. Donc bien sûr il faut être pieds nus pour la connexion. Hello. Moving slowly. Take your time getting over. Breathe now, deeply. You said I came out of nowhere. I know you're still stuck in place doing nothing. And I know you still, I know you still want me. I know you.
Donc voilà, donc comme vous avez vu, elle s'est connectée à l'application. Donc après, une fois qu'on est sur l'interface, donc on peut choisir donc les métriques en kilos, impérial, LBS, donc ça c'est le système chinois, unité de balance, ok. Donc comme vous voyez, l'application est 100% en français. Donc on peut fusionner les enregistrements, d'où fusionner les pesées d'un même utilisateur en 30 secondes. En savoir plus, il y a quoi? Donc comment mesurer correctement? Placez la balance sur une surface sèche, assurez-vous de monter au centre de la balance, portez des vêtements légers, montez sur la balance les pieds nus, placez la balance sur une surface plane. Ok, donc définir les unités de poids, pli, pile faible, veuillez les remplacer. Donc dès que ça avertit, donc dès qu'il y a l'icône L, apparemment, lorsque les piles doivent être remplacées, vous verrez l'icône ci-dessous. Après avoir remplacé les piles, la balance va redémarrer automatiquement. Poids maximum dépassé. Ok. Si la vitre suivante clignote, c'est que le poids maximum a été dépassé. Miscal peut mesurer jusqu'à 150 kilos. Bon, ce qui, je pense, c'est raisonnable pour un pèse-personne. Hein. 150 kilos, ça va. Ça supporte les poids lourds. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir autre avec l'application, la balance? Donc, on va voir dans état. Dans état. Donc, on a ce qu'on n'avait pas. Donc là, mon poids est directement défini. Donc ici, donc vous voyez mon poids directement, donc 69,2. Hein, donc je ne portais pas des vêtements légers, sinon je pense que je perds quelques kilos. Hein, je fais dans les 68 kilos. Bon, c'est pas un problème. Donc comparé il y a 2 jours, 1,3 kilos, parce que j'avais déjà connecté, mais je voulais vous montrer comment la connecter. Donc je suis plus léger que 75% des utilisateurs, donc 75% pour les Français, par rapport aux utilisateurs de la même taille, de la même région. Ok. Poids actuel. Ok, donc moi, je suis dans le vert, donc c'est normal. Donc là, vous voyez un petit défaut au niveau de l'application. Il y a des écritures qu'on ne voit pas totalement. Donc là, il est marqué effectuer. Je sais pas. Effectuer. Ah oui, une pesée. Ajouter un poids. Ok. Peser. Donc, on peut peser des enfants, donc des bébés. Le sol à vos pieds sont secs. C'est compris. Donc, se peser d'abord sans le bébé. Tenez votre bébé. Après, la balance détecte votre propre poids. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut partager ces données de poids. Si on effectue un régime, par exemple, avec plusieurs personnes, bah, on peut s'échanger les données. C'est sympathique. Donc. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc le poids, le score du corps. Donc le score du corps, donc j'ai 95 points, 95 points. Donc en premier élément, donc la graisse viscérale, 9, normal. Donc je suis normal. Le niveau de graisse viscérale actuel est trop élevé. Faire des exercices, avoir une alimentation équilibrée peuvent l'empêcher davantage. Donc ça, c'est pour ceux qui sont en élevé, ça marque toujours la même chose, je pense. Donc moi, je suis en normal, donc en vert. 6 objectifs atteints, apparemment. IMC, donc c'est poids taille au carré. Donc vous ne pouvez pas affirmer que vous êtes obèse simplement avec la valeur de IMC. Des gens peuvent avoir plus de graisse que de muscles avec un IMC normal et toujours classé comme obèse. Donc je suis normal. Entre 18,5 et 25. Après, vous avez la graisse corporelle. Donc, c'est aussi normal. Donc, la graisse corporelle fait référence à la proportion de graisse avec les poids total du corps. En plus d'obésité, le taux de graisse corporelle élevé augmente la prévalence. Donc, vous voyez, je ne vais pas tout vous lire comme ça. Hein, vous allez vous ennuyer, je pense. Donc, vous voyez que donc dans mon cas, c'est normal. Après, il y en a qui sont peut-être faibles. Donc ainsi, ça mesure vraiment les taux. Donc il y a plusieurs capteurs. Donc c'est pour ça qu'il faut se peser pieds nus. Sinon, ça ne fonctionne pas. Vous n'avez pas toutes ces données-là. Donc le muscle.
52,7 kilos de muscles. Donc comme ça, vous allez un peu tout savoir sur moi et vous avez la masse musculaire. Donc se réfère la masse du squelette et aux muscles doux ainsi que d'autres tissus musculaires contenant de l'eau. Donc ok, je suis normal apparemment. Ou bon, normal. Non, non, je suis pas bon, je suis normal. Ça c'est pour ceux qui sont vraiment musclés. Donc j'ai 55% d'eau, donc je suis normal. L'eau se réfère à la quantité d'eau globale dans le corps humain, y compris d'eau dans votre sang. Ok, donc je suis un peu bas apparemment, parce que si je serais au milieu, ce serait un petit peu mieux peut-être. Mais bon, ça n'a pas d'importance. Métabolisme de base, donc 1468 calories. Objectif atteint. Le métabolisme basal se réfère à l'énergie minimale requise pour maintenir les activités de vie de base. Le taux de métabolisme basal est décidé par l'énergie consommée par la masse musculaire. Ok, objectif non atteint, objectif atteint. Bon. Masse osseuse, donc 2,8 kg. Donc c'est normal aussi. Donc la masse osseuse se réfère à la quantité de calcium, de phosphore et d'autres matières contenues dans l'os. Ok, donc vous voyez, vous avez beaucoup, beaucoup d'informations. Donc moi, j'ai une corpulence, bon, équilibrée. Donc je suis au milieu ici. Après vous avez obèse, surcharge pondérale, trapu, manque d'exercice, équilibré, équilibré musclé, maigre, équilibré, maigre et maigre musclé. Donc moi je suis quelqu'un de normal, 100% normal. Donc récent changement de poids. Ouais, parce que je porte des vêtements alors que j'étais plutôt en vêtements légers quand j'ai fait le test. Récent changement de graisse corporelle, 607 grammes comparé il y a 2 jours. Donc il m'a dit que j'ai pris 607 grammes par rapport à 2 jours. Donc regardons si on voit encore d'autres choses. Je ne pense pas. Donc c'est déjà pas mal. On voit pas mal de choses avec cette balance connectée. Donc c'est une bonne surprise. La balance connectée. Donc, comme je vous l'ai dit au départ, elle m'a été offerte par Gearbest. Merci à Gearbest. Je vous ai fait aussi la vidéo de la bouloir connectée. Je ne peux pas vous montrer la vidéo de la bouloir parce que Gearbest n'a pas de stock et ils doivent me donner un code promo pour ma vidéo. Donc, si je vous donne la vidéo et j'ai pas encore le code promo, c'est pas logique. Là, pareil pour la balance, je vous fais la vidéo, ils vont me donner un code promo spécial pour avoir un prix raisonnable, hein, parce que la balance est quand même dans les 40 euros, dans les bons prix. Mais je pense qu'on peut l'avoir, aller à 30 euros, 35. Bon, si je l'ai à 25, je serais super content, mais on va négocier ça avec Gearbest. Et au moment de la sortie de ma vidéo, vous allez voir dans la description sur mon blog. Le code promo. Donc inscrivez-vous à ma chaîne YouTube, inscrivez-vous à mon blog. Merci d'avoir regardé, c'était Dingo Dorwan. À la prochaine. J'espère que la vidéo vous a plu. À la prochaine. Like the attention, girl, I know you. Know you. But you're everything I want in life. Yeah. We're fighting danger like kung fu. Kung fu. The love I feel is deep inside. Danger like kung fu. Kung fu. The love I feel is deep inside. The others don't matter. It's honestly us against the world. We're the perfect team. You're my dream, and I just want it. Can't you see myself? Can't you see myself? Can't you see myself?